Bonjour à tous. Alors, je suis ravie qu'on se retrouve tous sur un sujet aussi passionnant que le lynx. Je n'ai pas été formidable au niveau technique, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est toujours un peu compliqué de faire ça en visio, mais en tout cas, nous sommes avec des spécialistes qui vont nous parler du lynx, qui est un animal qui n'est pas très connu, un animal mythique et absolument incroyable que défend la SNPN. Donc, on a 1 heure et demie ensemble. Vous allez pouvoir poser d'ailleurs vos questions. On a 1 heure et demie ensemble. Au départ, pendant 1 heure, nos spécialistes vont nous parler de cet animal incroyable. Et puis après, vous pourrez poser vos questions et échanger avec eux. Alors, tout de suite, qui sont nos participants? Il y a Marine Drouilly, place aux femmes d'abord, administratrice en charge du dossier lynx boréal justement à la SFEPM, qui est coordinatrice générale des suivis des carnivores en Afrique de l'Ouest et centrale pour Panthera. Panthera, qui est une association qui se bat aussi beaucoup pour les animaux comme le lynx. Olivier Guder, qui est vice-président et coordinateur lynx pour Ferus. Ça, c'est pas un lynx que vous entendez derrière, c'est un chien, vous inquiétez pas. François Moutou, qui est vice-président de la SNPN, qui est docteur vétérinaire et épidémiologiste. Et puis Laurent Gélin, qui est photographe et qui viendra nous raconter ses rencontres avec les grands prédateurs et comment est-ce que on peut pister, comment est-ce qu'on peut essayer d'admirer et d'observer des animaux pareils qui sont extrêmement sauvages, comme vous le savez. Alors, on va tout de suite démarrer avec François Moutou pour une question toute simple. C'est pourquoi on parle du lynx, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux dont on parle aujourd'hui. Pourquoi le lynx? Le lynx, en plus, qu'on ne connaît pas très très bien en France, alors que c'est vraiment un animal qui est chez nous en Europe depuis très longtemps. Donc, François Moutou, bonjour. Bonjour. Alors, François, oui, en effet, pourquoi le lynx et pas le loup, l'ours ou le renard, que vous connaissez bien aussi? Eh bien, en fait, donc la SNPN qui propose ce webinaire vient de publier un numéro spécial de sa revue qui s'appelle Le Courrier de la Nature, qui est dédié au lynx. Et en fait, ceux qui connaissent un tout petit peu l'association SNPN, qui est la plus ancienne encore en activité, qui s'occupe de protection de la nature, imaginez qu'elle a été créée en 1854, a déjà publié La un plus numéro ancienne spécial. d'ailleurs, c'est l'association la plus ancienne en France. Absolument, et dans le monde encore vivante, encore active, et qui essaye d'être, qui s'appuie vraiment sur des données scientifiques, qui défend ses idées, mais qui essaie de les appuyer surtout sur des faits, sur des questions sans doute, mais aussi sur des informations que l'on peut valider. Et en fait, cette association a déjà publié un numéro spécial sur le loup en 2013, a publié un numéro spécial sur l'ours en 2018. Et en fait, comme nous avons trois grands prédateurs, c'est comme ça qu'on les appelle en Europe de l'Ouest, en France en particulier, le troisième, le lynx, venait très logiquement ensuite. Et il se trouve que c'est en 2021, cette année, que nous avons rassemblé plusieurs auteurs qui nous ont fait le plaisir de travailler avec nous. Marine, Olivier, ici présent, et Laurent pour les images, ont bien contribué à rassembler toutes ces signatures, ces plumes et ces photographes. Et il nous paraissait cohérent de présenter enfin le troisième des grands. Sans doute le moins connu, celui qui objectivement pose le moins de problèmes, mais en tout cas, on est très content de pouvoir en parler et de le mettre en avant un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de lynx en France? Parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas, on a l'impression qu'il n'y en a pas, il y en a, et où est-ce qu'on le trouve? Alors ça, je pense qu'on va d'abord montrer une image qui le montre au niveau de l'Europe, si je me rappelle bien. Voilà, donc la France est bien sûr partie prenante du continent européen. Et vous avez sur cette carte, alors elle n'est peut-être pas 2021, mais elle n'est pas très vieille quand même, au niveau d'une initiative qui est associée à l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui défend les quatre ou cinq grands carnivores européens, sachant que le glouton en Scandinavie n'est pas présent jusqu'en France. Et donc, vous avez une carte qui vous montre la présence importante et puis un peu plus localisée du lynx. Et vous voyez que nous sommes le pays avec, pour le lynx boréal, les populations les plus occidentales. Alors, combien? Vous avez un chiffre, évidemment, il faut mettre une fourchette. Ce n'est pas aussi simple que ça. On ne sait pas d'ailleurs combien il y en a à 10 ou 20 près. Mais ordre de grandeur, c'est sans doute entre 100 et 200, entre 150 et 200, si on rétrécit un tout petit peu. Et en fait, vous voyez que la localisation est vraiment dans la partie orientale du pays, avec trois massifs qui sont concernés, mais ça sera développé par Olivier dans un instant, les Vosges, le Jura et le nord des Alpes.
D'accord. Et alors, on va peut-être maintenant demander à Olivier Guider justement de continuer votre propos, François, en nous expliquant un peu, enfin, en nous donnant un peu une description de cet animal que, en effet, on ne connaît pas bien. Est-ce que à quoi il ressemble ce lynx, Olivier? Est-ce que vous m'entendez, Olivier? Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais Ah, un bonjour, problème, Olivier. j'ai réallumé ma caméra et mon micro. Donc, je vais d'abord vous parler effectivement de la situation du lynx en France, hein, pour être un petit peu plus précis par rapport à ce que vous a dit François. Donc, aujourd'hui, nous, nos estimations, enfin, les estimations que l'on reprend et que l'on a le plus souvent de la part de l'OFB, c'est une population qui se situerait entre 130 et 150 lynx sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que c'est une espèce qui est considérée en danger en France sur la liste rouge de l'UICN. Donc, une population qui est faible. Et le noyau principal de cette population de lynx en France, c'est le massif du Jura. Aujourd'hui, on estime que sur le massif du Jura, il y a environ une centaine de lynx présents sur l'ensemble du massif, hein, sur les départements à la fois du Doubs, du Jura, de l'Ain. Même sur le Jura alsacien, effectivement, le lynx est présent. Et puis, depuis ce massif jurassien, le lynx a colonisé, on va dire plutôt la partie nord des Alpes, avec, on estime, une vingtaine ou une trentaine de lynx qui sont présents sur quelques lieux, dans les Alpes, mais des lieux qui sont souvent des massifs isolés, comme le massif de la Maurienne, le massif des Bauges. Parce que, en fait, depuis le Jura, le lynx réussit relativement facilement à progresser vers les Alpes. Par contre, le lynx a beaucoup de mal à sortir du Jura pour partir vers d'autres zones qui peuvent être le massif des Vosges. Alors, le massif des Vosges est un massif particulier, puisqu'il y avait eu une réintroduction dans les Vosges qui a eu lieu donc en France dans les années 80. La population était relativement. Nombreuses dans les Vosges, puisqu'on a eu jusqu'à une trentaine de lynx sur le massif des Vosges, population qui a disparu progressivement dans les années 2000 et qui a frisé l'extinction. Et aujourd'hui, on estime qu'il n'y a que 4 ou 5 lynx présents sur le massif des Vosges. C'est vraiment le massif qui est le plus critique en France, qui sont des lynx, en fait, qui sont pour la plupart en provenance du Palatinat allemand. Donc le Palatinat, c'est une zone qui est juste au nord des Vosges, où il y a eu une réintroduction depuis 4 ans menée par les Allemands. Et puis, bien évidemment, les lynx ne connaissent pas les frontières et donc quelques lynx sont revenus dans les Vosges depuis le Palatinat. Mis à part ces trois noyaux dont on a parlé, il y a quelques lynx isolés qui peuvent se retrouver ponctuellement dans le Massif central. Quelquefois, on a une observation dans le Beaujolais, quelquefois, il y a une observation en Champagne. Donc, quelques lynx réussissent exceptionnellement à quitter le Jura pour partir plus à l'ouest, mais ce sont des individus isolés et on ne peut pas parler de noyau de population en dehors des trois noyaux que je viens de vous citer. Alors c'est intéressant parce que donc ça veut dire que le lynx peut être complètement solitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, nous le présenter en fait, présentation du lynx, comment est-ce qu'il est? C'est un animal qui est magnifique d'ailleurs. Oui, Comment tout à est-ce fait. qu'il est? Et comment est, après vous allez nous raconter un peu son mode de vie justement, Absolument. solitaire Alors, si on fait une petite description du lynx, donc sur la diapositive suivante, il faut savoir que c'est un animal, donc c'est un beau félin. Hein, c'est déjà un animal qui est assez gros, puisque à titre de comparaison, on peut le comparer en termes de taille à la taille d'un beau berger allemand, entre 50 et 70 cm au garrot. C'est un animal qui est haut sur pattes, qui a un pelage tacheté et qui a des particularités qui font qu'en termes d'identification, on ne peut pas se tromper si on est sûr d'avoir un lynx. Notamment, il y a deux critères importants. C'est la queue qui est très courte, une queue qui est très courte avec un manchon noir, et puis des pinceaux sur les oreilles qui sont très visibles. Qui sont des poils en fait très longs qui sont sur le sommet de ses oreilles. Voilà, c'est un servent à animal. quoi ces poils d'ailleurs? Ça sert à peut-être à entendre mieux. C'est un peu comme les moustaches Alors, des.
Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas si quelqu'un l'a sur la fonction de ces pinceaux sur les oreilles, mais toujours est-il que c'est un des critères distinctifs qui permet effectivement de reconnaître un lynx et de le distinguer par rapport à un gros chat sauvage, par exemple. D'accord. C'est un animal qui est assez gros, hein, puisqu'il pèse, peut peser jusqu'à 25 kilos, les mâles étant généralement 20 ou 25% plus gros que les femelles. Et donc, c'est un beau félin et il faut être fier d'avoir ce félin dans notre territoire. C'est un animal, s'il n'est pas dérangé, s'il n'est pas tué, s'il n'a pas de cause de mortalité, on va dire, anthropique ou accidentelle, qui peut vivre une quinzaine d'années. Et il vit donc surtout en forêt, c'est ça? Absolument. Donc, c'est un animal forestier. Et je vais vous parler un petit peu de son mode de vie sur la diapo suivante. Donc, il est strictement forestier, ce qui explique sa difficulté à quitter le massif du Jura. Parce qu'effectivement, pour pouvoir coloniser d'autres massifs depuis le massif du Jura, il faut qu'il puisse disposer de couloirs forestiers qui lui permettent de gagner, par exemple, le massif central, le massif des Vosges, voire d'autres parties des Alpes. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui explique effectivement cette population surtout concentrée sur le massif du Jura. C'est un animal dont la nourriture essentielle est composée en France de gros angulés, que sont les chamois et les chevreuils. Donc, pour rappel, un chevreuil, ça pèse en moyenne 25 kilos, donc à la limite le poids d'un lynx. Un chamois, c'est même un peu plus fort, puisque le chamois pèse plutôt une quarantaine de kilos. Donc, c'est un félin qui est capable de tuer des proies qui sont plus grosses que lui. Il se nourrit en capturant ses proies par une approche. En fait, il les approche le plus près possible. C'est un animal qui est très mimétique, qui est très silencieux. Et sa méthode de chasse va être de s'approcher le plus près possible de sa proie pour bondir au dernier moment et la saisir à la gorge. Il faut savoir qu'effectivement, si l'attaque ne réussit pas, le lynx ne va pas poursuivre sa proie pendant plusieurs dizaines de mètres pour courir après. Soit il réussit à l'attraper tout de suite, soit effectivement, il va arrêter l'attaque et se rabattre sur un autre animal. Et il chasse toujours en solitaire, comme alors, il chasse pas en meute. Les lynx sont solitaires toute l'année, sauf au moment de la reproduction qui a lieu au mois de mars, on va dire que c'est entre mi-février et mi-avril. Le mâle, sinon, est solitaire et la mère est avec ses jeunes. Donc, la mère a généralement deux ou trois jeunes tous les ans qui vivent avec elle, donc qui naissent au mois de mai. La grosse période de naissance, c'est le mois de mai, au début du mois de juin. Les jeunes sont élevés par la mère et vivent avec elle jusqu'à la période de reproduction suivante, généralement donc jusqu'au mois de mars ou avril de l'année suivante. Et donc, les jeunes partent à la découverte d'un territoire et deviennent autonomes quand ils ont l'âge d'une dizaine de mois. Et ah oui, c'est ouais, c'est la période la plus critique pour les jeunes, hein, parce qu'il faut qu'ils sachent chasser, capturer des proies, se nourrir tout seul, trouver un territoire et faire face aux dangers, notamment aux dangers humains dont on parlera plus tard, qui peuvent être notamment les traversées des routes, qui sont des lieux très accidentogènes pour les lynx. Ah oui, donc c'est un animal qui est quand même en grand danger. Bon, bah, écoutez, merci Olivier. Je vous propose que Marine Druy, bonjour, donc que vous nous parliez maintenant justement de la conservation de cet animal qui, comme nous l'a dit Olivier, est quand même en grand danger. C'est pas évident pour un petit de 10 mois de s'en sortir tout seul. On en est où pour l'instant sur les menaces que l'on connaît contre le lynx, enfin qui pèse sur la survie du lynx? Il y en a qu'on devine en effet, on voit déjà les routes, etc. Mais... Ouais, ben, bonjour à tous, merci d'être présent à ce webinaire. Donc oui, donc le lynx, donc c'est une espèce qui est listée comme en danger sur la liste rouge de l'UICN. Et il y a plusieurs menaces, et notamment des menaces d'origine anthropique, donc liées à l'homme, qu'on peut recenser. Donc là, je vais vous parler des principales menaces.
Donc, parmi elles, on peut citer en premier les collisions avec les véhicules de transport, donc aussi bien les voitures que les trains, en fait. Et il faut rappeler qu'en France, la circulation routière, elle augmente chaque année d'environ 1,5 à 2 % et que le lynx, de par son comportement qui est plutôt crépusculaire, ça va l'exposer, et notamment pendant la période du rut où les animaux se déplacent beaucoup pour essayer de trouver des partenaires sexuels, ou aussi quand la mère se déplace avec ses jeunes au tout début, ça va les exposer fortement à ces collisions, notamment routières, mais aussi ferroviaires. Et à titre d'exemple, donc, au printemps dernier, entre l'Ain, le Doubs et le Jura, on a recensé 5 lynx qui ont été mortellement percutés sur les routes. Et ça, c'était en à peu près 2 semaines. Donc, si on prend en compte une population de lynx en France qui serait de 100 individus, ça fait 5% de la population qui disparaît en 2 semaines. C'est juste pour... c'est pas vraiment 5% de la population, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur que, voilà, même quelques individus qui meurent sur les routes, en fait, ça peut tout de suite impacter fortement la population. Donc, en seconde position, on a les destructions illégales qu'on appelle parfois à tort du braconnage. Donc, cette menace, elle est vraiment difficile à évaluer parce que c'est une menace qui est cryptique. Et elle est directement liée à des comportements qui sont passibles à l'heure actuelle de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Donc, les personnes qui perpétuent ces comportements, ils ne vont pas aller le crier sur les toits, bien que ça finit par se savoir, mais c'est vraiment délicat de retrouver les personnes qui commettent ces actes. Il faut par ailleurs une vraie volonté politique et beaucoup de moyens humains et financiers et techniques aussi, avec toutes les techniques de criminalistique de la vie sauvage. Donc ça se développe de plus en plus. En France, on n'est pas encore au top pour ces techniques. Après, bon, l'État, les agents qui s'occupent de ces enquêtes, il y a bien des enquêtes qui sont menées, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais c'est vrai que si on pouvait avoir des moyens renforcés à ce niveau-là, ce serait vraiment bienvenu. On souhaite aussi que les fédérations de chasse dénoncent ces comportements, portent plainte également quand il y a des destructions illégales, et elles commencent à le faire, et on les en remercie d'ailleurs, on les encourage dans ce sens-là, parce que c'est pas tous les chasseurs qui sont des braconniers, heureusement. Cette menace, on va dire, cette menace, elle est liée donc à une faible acceptation du lynx, mais vraiment par une infime partie de la population. Comme l'a dit Olivier, le lynx, il se nourrit à 90% donc du lait sauvage, et donc on pense que certains chasseurs le voient vraiment comme un compétiteur, en plus une espèce protégée qu'ils ne peuvent pas réguler. Donc, il y a une sorte de frustration qui peut se construire, et ça peut arriver effectivement, en plus de rumeurs qui courent comme quoi le lynx pourrait pulluler à certains endroits ou pourrait tuer tout le gibier à un endroit particulier, qu'il est mauvais pour la biodiversité. Donc, tout ça, c'est bien sûr complètement faux d'un point de vue écologique, mais il y a des personnes qui savent pas encore ça. Et donc, ça peut créer des destructions illégales, tout ça. C'est faux et c'est contradictoire, parce que vous disiez tout à l'heure que ça mangeait surtout des chevreuils. Or, souvent, les chasseurs disent qu'il y a trop de chevreuils. Donc, finalement, le lynx pourrait nous aider d'une certaine façon à réguler le chevreuil. Oui, enfin, je pense que les chasseurs ne pensent jamais qu'il y a trop de chevreuils. Je ne sais pas. Je pense que pour eux, il n'y en a pas, pas assez. Donc, c'est certaines personnes qui vont penser ça. Après, du côté de l'élevage ovin et caprin, donc, qui sont les deux types d'animaux de rente qui peuvent être attaqués par le lynx, en France, on a de la chance, c'est que là où vivent ces élevages en milieu à lynx, ça se passe plutôt très bien. Il y a très, très peu de conflits avec l'espèce. Donc, pour votre information, en général, le lynx, il peut tuer entre 50 et 100 animaux de rente par an. Donc, c'est vraiment c'est rien d'un point de vue économique. Oui, c'est rien. Même si on compare par rapport au risque de maladie et aux mortalités liées aux maladies, c'est vraiment une goutte d'eau. Par contre, il faut quand même reconnaître que
pour chaque acte de prédation d'un lynx, il peut y avoir un impact psychologique pour les éleveurs qu'il faut pas. Il faut le prendre en compte, il faut être à l'écoute, il faut pouvoir aider ces éleveurs si besoin. Mais ça représente pas un problème au niveau même régional. Et ces attaques, en plus, elles ont lieu surtout au niveau de foyers d'attaque. Donc, ça correspond à que quelques éleveurs, on va dire. Ça touche pas beaucoup d'éleveurs et elle touche pas non plus beaucoup de lynx. Donc, c'est pas un réel problème. Je voulais juste en parler là parce que souvent, ouais, on pense félin, conflit homme-femme. Bien sûr. Et je suppose que c'est un peu les mêmes enjeux que pour d'autres animaux comme les loups, etc. Et pour les éleveurs, là, la meilleure façon finalement de s'en sortir, c'est d'avoir des chiens comme des patous. C'est un petit peu la même problématique que pour le loup ou c'est très, très différent ? C'est quand même très différent. C'est pas du tout le même impact. Le lynx, c'est vraiment, comme je vous disais, il tue entre 50 et 100 moutons, chèvres par an. C'est vraiment rien. Que le loup, il y a un impact qui est un peu plus fort. Après, et les menaces, les menaces qui pèsent sur le lynx, elles sont un peu similaires à toutes les autres espèces ou elles sont très différentes ? Par rapport aux autres espèces de félins, j'ai pas expliqué juste, je voulais juste expliquer le dernier type de menace, le point 4, parce que je pense que c'est quand même important, qui pèse sur le lynx, c'est la fragmentation de son habitat. Ouais. Donc, comme on a dit, l'habitat du lynx, c'est le milieu forestier, et en France et en Europe occidentale, les vallées sont urbanisées, on a beaucoup de routes, on a des voies de chemin de fer, des canaux, et quand tout ça a été construit, on n'a pas pensé au mouvement des animaux sauvages, et encore moins au mouvement des prédateurs. Donc le problème, c'est qu'il y a un manque de connectivité entre les noyaux de population qui sont déjà de petite taille, qui sont fragmentés et qui en plus sont issus généralement de peu d'individus. Donc ça peut conduire à une perte de diversité génétique et ça peut une consanguinité et ça peut éventuellement précipiter la disparition locale d'une espèce ou limiter ses capacités génétiques à se défendre contre des maladies par exemple ou même entraîner des malformations congénitales. On sait que c'est le cas en Suisse. On n'a pas de données en France pour l'instant, mais et le lynx, comme on disait, c'est très différent du loup, c'est que c'est un animal qui va coloniser les territoires de proche en proche, alors que le loup, c'est une colonisation par saut avec des animaux qui se dispersent sur plusieurs centaines de kilomètres. Le lynx, notamment les femelles, elles vont établir leur territoire juste à côté de celui de leur mère. Dès qu'il y a un territoire libre, elles vont se mettre là. Et donc, cette caractéristique intrinsèque à l'espèce ne va pas améliorer le brassage génétique. Donc, vraiment, la fragmentation de l'habitat, c'est effectivement un autre problème. Donc, votre autre question, c'était par rapport aux autres espèces de félins, c'est ça ? Voilà, absolument. Est-ce que c'est le même genre d'enjeu, de menace, etc. ou est-ce que c'est très particulier chez le lynx ou est-ce que c'est la même chose pour tous les animaux ? Parce qu'on a l'impression que finalement, tous ces animaux sont menacés, en effet, par les routes, par la fragmentation. Enfin, est-ce que le lynx, c'est un peu comme les autres ou non ? Oui, alors toutes ces menaces-là, elles touchent effectivement la plupart des mammifères, en fait, et je dirais même dans le monde, parce que c'est même pas qu'en France. Mais sur la diapo suivante, je vous présente les trois autres espèces de félins de lynx qui existent dans le monde. Donc, on a quatre espèces de lynx. Avec des dessins très rigolos, je signale quand même au départ. J'adore. Donc, Royan, qui est un dessinateur qui fait des dessins d'animaux très marrants. Donc, au niveau de l'Amérique du Nord, on a le lynx du Canada et le lynx roux, qu'on appelle aussi le bobcat. Donc, on dit que ces animaux sont en partie sympatriques, c'est-à-dire qu'ils utilisent la même aire géographique, ils vivent dans la même zone. Et on a en bas, qui a l'air pas très content, le lynx pardel ou le lynx ibérique, qui lui vit en Espagne et dans une petite zone du Portugal. Alors, en ce qui concerne les menaces pour lynx du Canada, on peut dire qu'il se porte plutôt bien au Canada et en Alaska, puisque c'est le félin le plus commun et le plus répandu dans la région. Ses populations sont stables, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour un félin. Il est même listé en préoccupation mineure et il est piégé pour sa fourrure. Donc, le seul endroit où il va avoir des menaces assez importantes qui pèsent sur lui, c'est dans le sud-est du Canada.
Et là, il est classé, listé régionalement en danger. Donc, c'est en Nouvelle-Écosse, dans le Nouveau-Brunswick, où là, les menaces, elles sont un petit peu différentes du lynx boréal. C'est qu'il peut s'hybrider et avoir des hybrides fertiles entre donc, le lynx du Canada et le bobcat. Donc ça, c'est un problème puisque génétiquement parlant, on perd l'espèce quand il y a des hybridations comme ça. Et il y a aussi une autre menace, c'est les conflits interspécifiques avec les populations de coyotes qui sont en expansion. Il y a aussi les problèmes du réchauffement climatique, hein, puisque il y a des recherches qui ont mis en avant que la limite sud de l'aire de répartition donc du lynx, elle remontait petit à petit vers le nord. Et donc, depuis les années 70, c'est à peu près 170-175 kilomètres remontés vers le nord. Enfin, il a perdu environ une bande de 175 kilomètres de... C'est énorme. C'est énorme, hein, depuis les années 70. Et ça, les scientifiques ont réussi à montrer que c'était lié aux hautes températures hivernales, au fait qu'il y avait moins de neige, donc c'était plus difficile de chasser. On ne sait pas exactement en quoi ça a touché le lynx, mais ça a directement impacté la diversité génétique du lynx du Canada. Et donc... dans le nord des USA, où là, on est vraiment à la limite sud, la limite méridionale de l'aire de répartition du lynx du Canada, là, c'est vraiment la fragmentation de l'habitat qui constitue la menace la plus importante pour le lynx. Il est d'ailleurs protégé aux États-Unis, hein, ils ont l'Endangered Species Act et il fait partie il est protégé sous ça. Et dans le numéro spécial lynx, on a un super article de notre ami John Squires qui fait partie de l'US Forest Service et qui explique voilà, comment le lynx il doit répondre aux perturbations naturelles comme les feux de forêt ou encore les perturbations anthropiques comme les sports de nature motorisés qui sont aussi des menaces pour le lynx du Canada. Donc je vous conseille de lire cet article, il est vraiment bien fait. Justement, après, vous allez, comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour protéger ce lynx finalement? C'est comment réduire les causes de mortalité, etc., et améliorer la connaissance, à part faire des webinaires comme celui-ci. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, en fonction des différentes menaces, ça dépend. Faudra vraiment arriver à mettre en place des actions qui sont faites pour chaque menace. Donc là, c'était pour le lynx du Canada. Le bobcat, lui, ou donc le lynx roux, il est en préoccupation mineure aussi. Donc, ce n'est pas une espèce qui est en danger, mais c'est une espèce qui a quand même des conflits de plus en plus importants avec les éleveurs. Donc, il y a de plus en plus de destruction illégale. Donc, dans ce cas-là, il va devoir y avoir un travail avec les éleveurs pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a d'un coup plus de destruction illégale et de conflits avec les éleveurs. Le bobcat, il est aussi impacté par les collisions avec les véhicules de transport, notamment au niveau des populations qui sont urbaines ou périurbaines, donc, comme par exemple en Californie. Et toujours dans le numéro spécial lynx, vous verrez, on a écrit un article avec Dr Laurel Sériez au sujet de l'isolation génétique de ces populations périurbaines de bobcat et les menaces liées à l'exposition aux rodenticides et aux anticoagulants. Et donc ça pour le lynx, ça crée une mortalité directe, bien sûr, mais aussi indirecte. En créant en fait une plus grande susceptibilité à la gale. Donc là, ouais. Vous ne voyez peut-être pas le lien, mais en fait, je vous conseille de lire cet article parce qu'elle a fait des recherches vraiment de très haut niveau en Californie et ça permet vraiment de comprendre comment, voilà, en mettant des rodenticides dans son poison, dans son jardin, on peut arriver à rendre les lynx roux malades partout dans la zone de Los Angeles. Donc, je propose voilà. D'ailleurs qu'on passe votre diapo suivante parce que là, ouais. Vous avez déjà mis quand même les pistes pour protéger le lynx. Et j'en profite pour tous ceux qui arrivent de dire qu'ils peuvent déjà commencer à écrire leurs questions dans l'onglet questions-réponses. Donc on est sur les enjeux de conservation du lynx boréal en France. Là, on revient en France et en Europe. Et vous nous donnez déjà les pistes. Et puis après, vous nous donnerez des initiatives. Mais donc, vous nous donnez déjà les pistes pour essayer de protéger ce lynx.
Oui, donc en fait, les enjeux de conservation en France, et je pourrais même dire en Europe, en tout cas occidentale, c'est un peu les mêmes. C'est donc d'agir sur les quatre causes, les quatre grandes menaces. Donc déjà, ça va être de diminuer les causes de mortalité anthropique, comme on l'a vu, hein, et là, on a un effort particulier qui doit être fait pour traiter en priorité les collisions avec les véhicules de transport. Mais il y a aussi tout le travail avec le renforcement de l'acceptation de l'espèce, pour faire Parce que les collisions, ça passe par les fameux tunnels, etc. Mais ça coûte une fortune, donc c'est très compliqué. Mais il n'y a pas que les tunnels, les passages à faune, effectivement. Mais déjà, si on pouvait faire comme ce qu'ils font en Espagne, en mettant des panneaux le long de la route, en disant qu'il y a du lynx, qu'il faut ralentir. Si les gens étaient un peu plus au courant, les gens ne sont pas au courant. Beaucoup de gens ne savent pas, quand ils prennent la voiture, qu'ils peuvent se rencontrer nez à nez avec un lynx et taper un lynx. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait. Donc, faire vraiment de l'éducation dans ce sens-là. Et puis, faire diminuer les causes de destruction illégale. Donc ça peut se faire en renforçant les moyens d'investigation, comme on l'a dit tout à l'heure, de lutte contre la destruction des espèces protégées. Il y a un grand travail à faire avec les fédérations de chasse qui doivent se mobiliser et dénoncer les actes de destruction illégale aussi. Donc, ça ne passe pas que par l'État. Il y a aussi un travail à faire au niveau de là où on trouve les braconniers, quoi. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'initiatives en France ou en Europe pour cette protection du lynx? Parce que je suppose quand même qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. On passera d'ailleurs à la diapo suivante. Oui. Voilà. Alors, donc, je vais être très brève sur cette partie parce que je ne peux vraiment pas être exhaustive. Il y a trop de projets, en fait, qui ont lieu partout en Europe et en France. Tant mieux. Oui, c'est ça. Et en France, en plus, ça s'est développé vraiment récemment ces dernières années. Donc, ici, j'en ai mis quelques-unes en avant. Celles que je n'ai pas mises, ce n'est pas qu'elles sont moins importantes. Hein, c'est juste qu'on ne peut pas tout mettre. Donc, il y a les deux projets LIFE. Il y a un projet LIFE de réintroduction de 20 lynx dans la forêt du Palatinat en Allemagne qui a eu lieu. Donc vous voyez ici la photo du haut avec le lynx avec le collier GPS. Donc ça a été un grand projet. Ensuite, l'autre projet lynx, Life Lynx, qui a lieu en Europe de l'Est à travers 5 pays pour empêcher l'extinction de la population dinarique et du sud-est des Alpes. Et ça, ils le font aussi via un renforcement de population et des actions de conservation. Il y a eu aussi la création d'un réseau de recherche européen qui est basé sur la collaboration scientifique, notamment pour tout ce qui est écologie spatiale du lynx, qui s'appelle Eurolynx. Il y a d'autres projets de recherche sur le lynx qui sont très bien, que là je ne peux pas citer. Il y a la journée internationale du lynx qui est donc une journée qui vise à sensibiliser le public dans de nombreux pays d'Europe, sensibiliser le public aux menaces du lynx, mais aussi discuter autour du lynx pour essayer d'augmenter son acceptation sociale. Donc c'était le 11 juin. Après, en France, on a eu la rédaction d'un plan régional d'action pour la conservation du lynx sur le massif vosgien, qui a été suivi par un plan national pour la conservation du lynx qui a été mené par la SFEPM et le WWF France. Et là, on est dans la phase de finalisation de l'écriture d'un plan national d'action lynx qui est porté par l'État cette fois. Et là, on attend beaucoup de ce plan pour avoir beaucoup d'actions, de nouvelles actions qui seront en faveur du lynx et de la cohabitation avec les autres espèces. Puis, il y a des réseaux de suivi du lynx, comme le réseau Loulynx, qui est piloté par l'OFB, des initiatives d'éducation scolaire et de sensibilisation du public, comme Parole de lynx, de Férus. Il y a le projet Œil de lynx de la SFEPM, qui rassemble des actions de communication, d'éducation et de recherche. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas toutes les citer, mais je peux répondre à vos questions après. Non, mais ça fait plaisir au moins. On se dit il y a des choses et c'est actif. Alors, je vous propose après cette présentation, et je vous remercie de nous avoir présenté cet animal incroyable. Je vous propose que maintenant on le rencontre. On va retrouver Olivier qui va nous raconter, et après, ça sera Laurent qui va nous raconter son aventure avec un lynx incroyable. Qu'il a rencontré, vous allez voir, avec des photos magnifiques. Olivier, est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre incroyable?
Oui, alors là, je vais vous emmener, on va se dépayser un peu, je vais vous emmener dans le sud de l'Espagne, dans une région qui s'appelle la Sierra Morena, qui est dans le nord de l'Andalousie. Et c'est une des zones où le lynx pardel, donc la deuxième espèce de lynx qui existe en Europe, donc le lynx pardel ou appelé lynx ibérique, est présent uniquement dans le sud de l'Espagne et un tout petit peu au Portugal. Ça a été pendant très longtemps l'espèce de félin, il faut savoir, la plus menacée au monde, puisqu'il en restait juste une centaine d'individus à l'état sauvage. Il y a eu un programme LIFE européen et un programme gouvernemental espagnol qui ont permis de sauver l'espèce, de la redynamiser, de relâcher des individus sur des zones où il avait disparu. Et aujourd'hui, on peut estimer que cette espèce de lynx pardel est sauvée et est de plus en plus nombreuse, puisque je crois que les derniers recensements font état de plusieurs centaines d'individus sur les zones où il est présent. J'avais déjà eu l'occasion donc d'aller dans cette zone avec un guide naturaliste en 2012. Donc là, effectivement, vous avez une vision de la Sierra Morena. Donc c'est des montagnes moyennes avec des forêts, des maquis, avec quelques zones qui sont assez ouvertes et qui permettent de voir la faune. Et c'est une zone privilégiée pour le lynx pardel, puisque c'est une zone où est bien présent sa proie favorite, qui est le lapin de garenne. Il faut savoir que contrairement à notre lynx boréal, le lynx pardel se nourrit essentiellement de lapin de garenne, qui d'ailleurs a été problématique pour lui, puisque le lapin de garenne a été victime de différentes maladies récemment. Toujours est-il que le lynx est bien présent sur cette zone. Je l'avais vu en 2012. J'y suis retourné en autonome là en 2016 et là c'est la première après-midi où je suis arrivé sur la Sierra Morena. J'ai retrouvé les lieux où j'avais fait des observations en 2012 et je me suis promené un peu sur la piste en question. J'ai rencontré deux ou trois groupes de naturalistes qui étaient là aussi à la recherche du lynx pardel. Aucun d'entre eux n'avait vu le lynx ces derniers jours. Je me suis dit bon, ben on va faire avec et puis on va attendre, on va croire en notre chance. Et puis je me suis posté en fin d'après-midi sur le bord de la piste, un endroit où j'étais isolé, où j'avais une très belle vue sur un petit peu le paysage que vous voyez là, avec effectivement des bonnes visibilités sur un certain nombre de zones ouvertes. Et derrière moi, il faut savoir qu'il y avait une zone de maquis aussi avec quelques rochers, mais je surveillais surtout toute cette zone devant moi en espérant voir un ongulé. Je ne pensais plus tellement au lynx, je dois vous avouer. Je profitais de la belle lumière de fin de journée, un beau coucher de soleil, une ambiance avec des oiseaux qui chantent parce que les oiseaux sont très nombreux sur cette zone. Et je profitais à fond de ce moment de nature qui était déjà privilégié. Et à ce moment-là, j'ai entendu derrière moi un cri qui était différent du chant des oiseaux. Et je me suis retourné. Et là, on peut passer à la diapo suivante. Et là, j'ai eu la surprise de voir derrière moi le lynx qui tout d'un coup était apparu, qui était assis sur un rocher tranquillement, donc à une centaine de mètres, dans cette très belle lumière de fin de journée. Je me suis demandé à un moment si je rêvais pas. Donc, un moment de grande émotion. La photo est magnifique. Je comprends que vous soyez dans le si vous ne rêviez pas. C'est incroyable. Moi-même, quand je revis ce moment, j'ai vraiment beaucoup d'émotions parce que c'était un très, très grand moment pour moi. Et donc, je suis resté. Alors, j'ai fait bien sûr quelques images. Je l'ai observé longuement aux jumelles. Et ce lynx est resté là pendant quelques minutes. C'est toujours difficile d'évaluer le temps dans ces moments-là. Je dirais entre 2 et 5 minutes. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Là, ça permet de le voir un petit peu plus près. Ça, c'est simplement, effectivement, une photo qui a été un peu recadrée. Et donc, c'était vraiment un moment exceptionnel. Et puis, au bout de quelques minutes, le lynx est descendu du rocher et il a disparu. Donc, je ne l'ai plus vu, en tout cas. Donc, à ce moment-là, j'ai repris la piste qui se rapprochait un peu de la zone où il avait disparu. J'ai avancé tout doucement en espérant le revoir, en me disant peut-être qu'il va réapparaître dans une des zones un petit peu ouvertes qui existent dans ce maquis. Et puis, à un certain moment,
tout d'un coup, et là on peut passer à la diapo suivante, j'ai entendu un bruissement dans les feuilles juste au-dessus de moi. Et là, vous pouvez passer à la diapo suivante. Et tout d'un coup, le lynx était là, je dirais, entre 10 et 15 mètres, juste au-dessus de moi. Il était en train de marcher tranquillement. Ouais. Il m'a vu, bien évidemment, mais il n'a marqué aucun signe d'inquiétude ou de peur. Et il est passé tranquillement juste au-dessus de moi. J'ai eu le temps de faire deux ou trois photos qui sont intéressantes parce qu'elles permettent d'identifier l'animal. Vous voyez qu'il a une tache claire sur le flanc. Cette tache nous sera très utile parce que ce lynx, en fait, on le reverra par la suite lors du même séjour. Mais ça, c'est d'autres histoires que je ne vais pas vous raconter aujourd'hui. Et puis, ça permet effectivement d'identifier que c'est un mâle. Et donc, c'est un moment très, très fort parce que tout d'un coup, le lynx que j'avais aperçu dans de très bonnes conditions, il était là juste au-dessus de moi. Il est passé tranquillement. Moi, j'ai profité de ce moment. Et puis, le lynx, tranquillement, a disparu dans le maquis. Ah, voilà. C'est formidable. Merci de nous avoir fait partager ce moment de grâce. C'est vraiment un moment de grâce. Il faut savoir simplement que dans le courrier de la nature, je raconte un autre épisode de rencontre qui a eu lieu cette année-là, où en fait, j'ai une autre rencontre avec ce même lynx. Voilà. Bon, ben, je disais, Olivier, merci de nous avoir fait partager ce moment incroyable, parce qu'en plus, la lumière est magnifique. On a vécu avec vous ce moment de grâce extraordinaire. Alors, on va continuer là avec des vidéos, avec Laurent Gélin. Bonjour, Laurent. Alors, vous préparez un film qui sortira normalement à la fin de l'année ou au début 2022. En ce moment, c'est compliqué de savoir quand est-ce que les projets se font. Il faut s'adapter. Et là, vous allez nous montrer des vidéos que vous avez prises de lynx, là aussi. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que vient de nous montrer Olivier, mais c'est incroyable aussi. Là aussi, on part dans des moments extraordinaires. Laurent, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Génial, parfaitement. Alors, racontez-nous là aussi ces moments extraordinaires et ces images incroyables de lynx. Là, c'est carrément une famille. Enfin, vous allez nous raconter ça. Oui, alors je me suis absenté, donc je ne sais pas trop ce qui s'est dit, mais au risque de vous répéter, j'imagine que vous avez sûrement parlé déjà en ce qui concerne le lynx boréal, de son territoire qui est assez grand dans le Jura. Schématiquement, on dit que c'est à peu près 100 km². C'est très schématique parce que les mâles et les femelles, évidemment, n'ont pas les mêmes types de territoires. Et puis surtout, en fait, surtout, c'est qu'ils n'utilisent pas le territoire de la même façon toute l'année, en fait. Donc, au printemps, en hiver, etc., ils ne vont pas forcément être présents partout sur leur territoire. Il y a des points récurrents. Mais cependant, pour le voir régulièrement, c'est vraiment un travail qui se fait sur plusieurs années. On peut tomber sur le lynx un peu par hasard ou par chance. Mais si on veut vraiment, vraiment le voir régulièrement, il faut connaître un petit peu ses habitudes. Et ça, c'est difficile de faire ça sur un an ou deux. Donc moi, j'ai la chance de travailler sur cet animal depuis 2009. Et comme vous le disiez, il y a un film cinéma qui se prépare, qui théoriquement, en effet, devrait sortir fin de l'année. Et sur lequel vous travaillez, c'est pour ça que vous vous êtes absenté. Donc, comme ça, vous travaillez exactement. Complètement. Mais c'est le mixage, en fait. C'est le mixage, donc c'est vraiment la fin, la toute fin de tout se met ensemble. Bon, vaut mieux pas rater l'opération. Du coup, j'ai évidemment ça fait donc depuis 2009 que je travaille sur cet animal-là. Je travaille aussi avec les scientifiques du CORA en Suisse. Et du coup, j'ai la chance de passer pas mal de temps sur le terrain avec certains individus, certains lynx, hein, certains animaux que je connais bien. Et justement, j'ai forcément quelques anecdotes. Je voulais vous en faire part, notamment par rapport à cette occupation du territoire. Il y a vraiment des animaux que je connais bien et puis que je vais suivre pendant 2, 3, 4, 5 ans. Puis d'un coup, ils disparaissent et puis ils réapparaissent. Alors là, en l'occurrence, le premier individu que je vais vous montrer, c'est cette année, en fait. C'est au mois de mars cette année. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui lance la vidéo ou quoi, en fait. Moi, je ne peux pas le faire, donc allez-y. Ah ben voilà, c'est parti. Est-ce que j'ai la main? Oui, j'ai la main, tiens. Ah ben cool, ok. J'ai un petit écran, donc je ne vois pas très bien. Nous, on voit, c'est magnifique. On voilà, voit, donc ça, en fait, c'est un mâle. En fait, c'est un mâle que je connais depuis à peu près 2014.
et qui en fait cherche sa femelle, évidemment. J'allais dans l'affût, en fait, que j'ai construit il y a 2 ans déjà. Et donc, à chaque saison, comme ça, je peux... Alors, est-ce que je peux faire pause? Oui, je peux faire pause. Alors, en fait, là, je vous montre justement ce mâle que je connais depuis 2014. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Et donc, j'étais super content de le revoir. Et en le suivant, je l'ai suivi une petite demi-heure. Il descendait vers une combe où normalement, c'est à cet endroit-là que je le retrouve chaque année, en tous les cas à partir de 2014 jusqu'à 2017. Et puis donc j'ai filé comme ça vers cette combe en essayant d'arriver avant lui. Je ne l'entendais plus. J'ai attendu sous mon filet pendant environ une heure et demie. Il pleuvait, là, on est assez bas, on est à 700 mètres. Et il s'est mis à pleuvoir, et puis j'ai attendu une heure et demie, j'ai réentendu l'appel, donc j'espérais qu'il s'approche de moi, et puis au bout d'une petite demi-heure, j'ai entendu juste derrière moi, à 8 ou 10 mètres de moi, en fait un feulement, et ce feulement, en fait, je le connaissais parce que j'avais eu la chance de l'entendre avec une confrontation entre un mâle et une femelle, où la femelle, visiblement, n'était pas très, très contente de voir ce mâle intrus sur son territoire. Donc, elle feulait. Elle faisait vraiment un bruit très, très particulier. Et là, c'est exactement ce que j'entends dans mon dos à 8-10 mètres de moi. Donc, je sais exactement que j'ai un lynx dans le dos. Je suis sous mon filet, donc je me retourne tout doucement pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, en fait, plutôt que de voir le mâle, en fait, je vois... Là, je ne peux plus relancer la vidéo, donc je pense que vous ne la voyez pas. Voilà, ça y est, tac. Oui, ça va là, partir. Je vois la femelle, en fait, qui, elle, me regarde. Et écoutez un petit peu, écoutez. En fait, elle ne sait pas ce qui se passe. En fait, elle ne reconnaît pas ce qui est cette espèce d'amas de... Et là, quand elle regarde, là, en fait, j'enlève le filet, donc je me monte parce que je ne veux pas l'embêter trop longtemps. Et du coup, là, elle me regarde, elle s'arrête. Évidemment, il n'y avait absolument aucune agressivité, parce que vous avez dû le dire aussi, mais c'est un animal qui n'est absolument pas agressif vis-à-vis de l'humain. Donc, c'est un animal qui... Cette femelle-là, je la connais depuis 3-4 ans, j'ai déjà filmé avec les jeunes et tout ça. Et là, elle est repartie, elle s'est remise à appeler. Ce qui est très intéressant, Laurent, c'est toutes les vocalises qu'on entend. Il y a énormément. Est-ce que chacun a une signature vocale comme on est en train de découvrir pour beaucoup absolument, de... absolument. Alors moi, j'avais chacun pas reconnu ce soir-là parce que c'est vrai que quand ils appellent et quand vous commencez à les entendre, là cette année, ça a été une année extraordinaire parce que j'ai entendu le mâle plein de fois, je l'ai vu, j'ai vu la femelle plusieurs fois aussi et je les ai entendus tous les deux appeler. Et effectivement, quand il m'est arrivé une année où le mâle et la femelle se répondaient alors qu'ils étaient quasiment face à face, c'était vraiment incroyable. Voilà. Et le son est effectivement différent, la voix est effectivement différente. Et du coup, on peut, si le son est clair et c'est pas trop loin, on peut reconnaître l'individu. Et donc, cette anecdote-là, en fait, j'avais vu le mâle et la femelle le même soir. Et le lendemain matin, je suis revenu sur les chemins. Il avait neigé dans la nuit. Et j'ai vu les traces qui se suivaient. Et ils se sont donc rencontrés cette nuit-là. Je me doutais bien parce qu'ils étaient vraiment, vraiment confinés dans le même coin. Et j'ai vu dans la neige les positions où ils s'étaient accouplés. Donc forcément, cette année, il y a eu accouplement dans le secteur où j'étais. Donc ça, c'était vraiment une super observation. La deuxième anecdote, c'est plus par rapport à parfois des pièges photos que je peux utiliser ou des pièges vidéo que j'utilise. Et vous parliez de vocalisation. Là, j'ai mis un piège vidéo, c'est un piège 4K, avec un micro à l'extérieur. Et par conséquent, j'ai filmé pendant 2h30 un animal, la femelle que vous venez de voir, justement, avec ses deux jeunes. Et le micro a enregistré pendant 2h30 des tas de vocalises, des jeunes qui parlent avec la mère qui souffle sur les jeunes, des ronronnements. Ils étaient à 1m50 du micro. Sauf que, évidemment, il m'est arrivé une petite mésaventure par rapport à un des petits jeunes mal élevés. C'est lui le petit jeune mal élevé ? Non, ça c'est un vieux jeune, mais il est mal élevé aussi. Ben,
c'est drôle, comme ça on voit au moins comment vous posez vos caméras. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai mis cette image-là parce qu'en fait, regardez, 7 minutes plus tard, en fait. Oui, c'est chouette. J'avais entendu dans les buissons derrière moi, je pensais que c'était un merle en fait qui marchait, qui levait les feuilles. Et en fait, visiblement, c'était la femelle qui était déjà installée, enfin qui était déjà pas loin de moi. Là, on entend un avion d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est le petit mal élevé, justement. En fait, il est curieux, quoi. Il a envie de regarder ce qui se passe. Ouais, en fait, il est en train de tirer sur mon micro. En fait. Mais il a la décence de le remettre légèrement à l'extérieur du cadre, ce qui est déjà pas mal. Il a quel âge à peu près, vous pensez, ce petit? Alors là, c'est en novembre. Donc, il naît à peu près fin mai, début juin. Donc là, il a 5 mois et demi, quoi. D'accord. Alors ensuite, là, c'est une vous savez, sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit souvent des gens, ça peut être une petite dame qui se balade avec sa petite fille ou quoi, et puis qui a un téléphone portable et qui tombe nez à nez avec un lynx. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. Je ne cherche pas particulièrement, d'ailleurs, les rencontres trop, trop proches. J'aime bien, justement, que l'animal ait un petit peu de distance. Mais là, sauf que là, je suis littéralement tombé nez à nez avec une femelle lorsque j'étais dans des foyards, dans des petits êtres comme ça en automne. Et littéralement, je suis vraiment tombé à 2,50 m de cet animal qui était couché, qui me regardait, qui m'avait sûrement vu venir depuis bien longtemps déjà. Et je n'ai qu'une GoPro, donc je filme à la GoPro. Alors ça, c'est vraiment une sacrée expérience. D'être à moins de 2,50 m d'un lynx sauvage dans un milieu pareil. Tout est rouge. L'érable et du hêtre partout en automne, c'est magnifique. J'arrive pas à y croire. Il dort. Et en fait, expérience incroyable. Et en fait, cette femelle-là est restée littéralement tout l'après-midi, et puis ensuite elle est revenue sur sa proie, elle a consommé sa proie, et c'était la première fois que j'avais une rencontre aussi proche de proximité. Ouais. J'ai cependant eu, ça c'est la dernière des anecdotes que je vais vous montrer. Je vais demander aux gens qui écoutent peut-être soit de mettre un casque, parce que le son va être relativement bas, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, avec ce film, il a fallu aussi que j'enregistre des sons. Et du coup, j'ai acheté un micro parabolique. Vous voyez ces espèces de gros micros paraboles avec un micro-canon à l'intérieur qui prend les sons de très, très loin. Donc, c'est très pratique quand on veut enregistrer des animaux qui peuvent être assez loin de nous. Et là, en l'occurrence, l'année dernière, il y avait un jeune mâle que j'ai d'ailleurs jamais revu. C'est assez incroyable. Mais pendant 3 semaines, il a appelé quasiment au même endroit, à peu près tous les 2 jours. Donc, je dormais dehors, dans un sac de couchage en forêt et sur un chemin forestier, en fait. Et je l'ai enregistré plusieurs nuits. Il avait des phrases assez courtes. Il appelait à peu près 10-15 fois. Et là, il appelle cette fois-ci, ce soir-là. Il est 4h20 du matin. Il y a la lune. Et lorsqu'il appelle, j'enregistre, mais je laisse l'enregistrement bien qu'il arrête de chanter. Et en fait, il descend. Alors là, c'est pour ça qu'il va falloir prêter l'oreille. Vous allez entendre une branche qui casse et puis qui ensuite les pas qui marchent dans les feuilles. Et ensuite, il arrive sur le chemin. Il s'approche. Il fait nuit, mais il y a les silhouettes des arbres grâce à la lune. C'est absolument splendide. Et moi, j'ai mon micro parabolique devant les yeux, donc je ne vois rien. Et avec mon casque, j'entends les pas sur les graviers. Donc, ça veut dire qu'ils s'approchent vraiment, mais très, très près. Et à un moment donné, j'entends un râle
dans le micro. Et là, j'ai eu la chair de poule. Ça n'a pas été contrôlable. J'ai vraiment eu presque peur, peur d'un lynx. Je ne pensais pas avoir ça un jour. Et je déplace ma parabole. En fait, le lynx est juste devant moi, juste dessiné par la lune. Et on entend ses pas. Et ensuite, il redescend dans la combe. Et là, il se remet à chanter. Donc là, je vous mets juste la fin. Je vous mets lorsqu'il se lève, il vient vers moi. Et puis ensuite, il s'en va en chantant. Peut-être monter le son un petit peu pour les gens. Voilà mes petites aventures de ces deux dernières années. Alors, comme vous nous disiez qu'il appelait, en fait, il appelle une femelle, là, c'est ça? Exactement, ouais, on peut l'entendre à peu près, on peut l'entendre toute l'année, hein, c'est un appel qu'on peut entendre toute l'année, mais par contre, il est vraiment concentré à partir de février-mars. Moi, cette année, je l'ai entendu pour la toute première fois, la femelle qu'on a vue tout à l'heure, je l'ai entendu le 18 janvier, c'est la première fois que j'entendais aussitôt. Ouais. Mais effectivement, fin février, début mars, c'est vraiment là où ça commence à bien bien appeler, jusqu'à fin mars quasiment. Et puis dans certains cas, ils peuvent s'appeler. On dit souvent que le lynx est solitaire, mais il y a clairement des rencontres hein, selon l'année, enfin selon la période de l'année, et notamment les mâles qui, au mois de juin, aiment bien aller voir les chatons en fait, faire la rencontre de leur progéniture. Et du coup, moi, je l'ai entendu deux fois en mois de juin, où je pense que c'était le mâle qui appelait sa femelle pour faire la rencontre des petits, quoi. Merci vraiment, Laurent, de nous avoir fait un peu rentrer dans l'univers du lynx. Alors, rappelez-nous votre film. Est-ce que vous avez déjà le titre ou c'est encore un secret ou comment? Non, c'est pas un secret. Ça ne va pas être très compliqué à retenir puisque ça va être lynx. D'accord, parfait. Bah, écoutez, tout le monde retient Lynx de Laurent Gélin, fin 2021 ou début 2022. Un grand merci. Je rappelle à tous ceux qui veulent poser des questions, vous avez le petit onglet questions-réponses, vous pouvez le faire. Bah, on va arriver maintenant à la conclusion de ce webinaire pour pouvoir laisser du temps à chacun d'entre vous de poser quelques questions. François Moutou, alors on a vu que le lynx est un animal, je pense que tout le monde est convaincu, absolument incroyable, mais que c'est compliqué, ses relations avec les humains, enfin, c'est comme souvent beaucoup d'animaux d'ailleurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les connaissances, sur le côté culturel et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour mieux comprendre le lynx? François Moutou. Oui, écoutez, moi j'aurais envie de dire que les images qu'on vient de voir, celles d'Olivier, celles de Laurent, les sons associés, ça explique à la limite simplement pourquoi le lynx nous fascine, comme d'autres espèces d'ailleurs, mais ces images-là suffiraient normalement à convaincre la plupart. Et on peut en tirer deux conclusions, c'est que comme les deux photographes l'ont dit, il n'y a aucun risque à voir un lynx, et même souvent, toutes les personnes qui cherchent des lynx ont fini souvent par en rencontrer tout près, et c'est souvent le lynx qui pratiquement est venu les voir dans des conditions tout à fait surprenantes.
Malheureusement, ça peut expliquer aussi un certain nombre de destructions, parce que imaginez que si la personne qui découvre son lynx n'est pas armée d'une caméra, d'un instrument plus violent, ça peut très mal se terminer pour le lynx. Et donc, il y a une certaine, un étonnement à imaginer que certains, dans ces conditions-là, en profiteraient pour se débarrasser de l'animal, ce qui certainement s'est déjà passé. Et donc, ce qui est difficile, c'est que même si on ne connaît pas tout sur cette espèce, le lynx boréal, on en connaît quand même de plus en plus. Et le problème que nous avons, en tout cas nous à la SNPN, mais pas seulement nous, c'est comment faire en sorte que ces connaissances, qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément cachées, qui sont en français, dans des revues de vulgarisation, qu'on peut trouver relativement simplement si on s'en donne la peine, comment faire en sorte que ces connaissances fassent en sorte que les humains avec qui le lynx peut cohabiter comprennent qu'il y a tout à fait des réponses à sa présence et que si certains peuvent être gênés par le lynx, si on peut très bien le comprendre, il existe des solutions et que la seule façon qui consisterait à les détruire n'est pas du tout pertinente et n'est pas celle qu'il faudrait appliquer. Et donc, c'est là où nous avons une difficulté, c'est comment faire en sorte pour que ces connaissances qui sont accessibles fasse un peu changer la perception. Et c'est vrai qu'en France, on a une éducation, une culture, une tradition assez violente par rapport au monde animal, au monde vivant, et en particulier pour les mammifères carnivores, mais c'est vrai pour les oiseaux rapaces. Et il y a une intolérance. L'espèce humaine, nous-mêmes, nous nous réservons tout ce qui est proie et on n'aurait pas possibilité d'avoir des concurrents quadrupèdes ou ailés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre culture. Et c'est sans doute ça qui est le plus difficile à faire évoluer. D'ailleurs, il y a Valérie Chansigaud, qui est une historienne, qui a écrit chez Actes Sud un livre qui s'appelle « Les Français et la nature », où elle analyse le vrai problème culturel des Français par rapport à la nature depuis toujours, au regard de nos voisins allemands ou anglo-saxons qui ont une plus grande tolérance à la nature. Donc ça continue complètement de souligner ce que vous venez de dire. Alors, est-ce que du coup, ce n'est pas le droit qui peut, des juridictions, on dit toujours qu'il faut que l'animal soit à un moment défendu d'une manière juridique, est-ce qu'on pourrait espérer un peu que ça évolue de ce côté-là. J'en profite quand même pour signaler qu'on voit des photos absolument superbes qui sont de Laurent Gélin. Donc, une fois de plus, merci parce que ces photos sont magnifiques. Oui, le droit est une réponse, mais on est vraiment souvent confronté, nous, associations, dans notre pays, à des situations vraiment très désagréables où on voit des arrêtés préfectoraux qui ne sont pas dans le droit français, qui ne respectaient pas les lois du pays. Et il faut que les associations attaquent en justice au tribunal administratif des arrêtés préfectoraux et parfois même la France au niveau européen, parce que nous avons des textes qui, quand on les lit, sont relativement bien équilibrés entre les intérêts des autres, les intérêts des uns, le partage global de l'espace, le partage des ressources, avec une petite place quand même qui n'est pas nulle pour le non-humain. Et dans les faits, ce n'est pas souvent respecté, et le pays même ne respecte pas ces lois ou les représentants du pays ne les respectent pas. Et là, c'est vraiment quelque chose qui nous gêne beaucoup, parce que faire évoluer les droits, c'est très bien, mais s'il n'est pas respecté, alors est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes pour le faire respecter? Est-ce qu'on prend des textes, mais on sait qu'on ne va pas les respecter, donc ça ne sert à rien? Il y a vraiment une difficulté pour peut-être trouver des nouveaux textes, mais surtout faire en sorte que le droit qui existe soit respecté. Mais c'est vrai qu'au niveau de la faune sauvage, on a un vrai souci. Vous savez que le droit français est régi par différents codes, le code rural, le code civil, le code de l'environnement. Seul le code civil et le code rural reconnaissent que certaines espèces sont êtres sensibles, mais le code de l'environnement ne le reconnaît pas. Et c'est quand même assez paradoxal. C'est là que se trouve toute la faune sauvage et les individus de ces espèces correspondant à la faune sauvage. Et là, on a un vrai décalage entre ce que tout le monde pense être la réalité, au niveau biologique, c'est reconnu, et le droit qui, dans le domaine de l'environnement, est relativement en retrait par rapport aux connaissances et par rapport, effectivement, à ce qui se passe dans les communautés voisines des autres pays de l'Europe, simplement. Ouais. On revient toujours à la même chose, quoi. En fait, tout ça, c'est un problème de connaissances. Il faudrait que les préfets, les juges, nos dirigeants, les politiques, et un peu plus de connaissances sur le vivant d'une façon générale, parce que malheureusement, le lynx partage ça avec quasiment tous les animaux, et les végétaux aussi d'ailleurs, les arbres, etc.
François Moutou, encore un petit mot de la fin avant qu'on passe aux questions ou on passe directement aux questions? Je veux bien dire un mot, mais je n'ai pas vu la photo encore. Je savais qu'elle doit venir. Il y a une photo où l'on voit un lynx endormi, anesthésié par des humains. La voilà, celle-là. Et lors d'une opération scientifique pour les étudier. Mais je rappelle que le lynx marche beaucoup moins, se disperse beaucoup moins qu'une espèce comme le loup. Et pour voir aujourd'hui des lynx dans le Jura, ça a commencé par des réintroductions qui ont été faites par les voisins suisses à partir d'Europe centrale vers le Jura suisse. On a fait une même opération dans les Vosges avec des résultats dont on a évoqué tout à l'heure le bilan vraiment négatif, et les collègues allemands le font en ce moment vers le Palatinat. Et donc, aujourd'hui, si on veut des lynx en Europe de l'Ouest, certainement la seule façon de faire, c'est de déplacer des animaux depuis des foyers où ils sont bien présents vers des zones où on imagine qu'il aura du mal à venir tout seul. Et il y a un deuxième schéma, un deuxième cas de figure, c'est le remplacement des individus détruits illégalement par acte humain par un animal qu'on pourrait aller chercher dans les populations qui le permettraient. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on essaye de se battre. Il nous semble qu'on ne peut pas simplement se contenter de compter les animaux abattus illégalement, écrasés sur les routes, parce qu'un plan d'action national qui ne compense pas un minimum les pertes liées aux activités humaines risque d'avoir un jour un bilan assez catastrophique. Et donc, il faut qu'on soit d'accord sur le fait que si on veut des lynx en France, c'est ce qui est dit officiellement, ben on prenne le minimum de moyens nécessaires pour y arriver. Voilà ce que je vous souhaitais dire pour conclure. Oui, ben, je vous remercie parce que c'était important de le dire. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe aux questions de nos auditeurs, je ne sais pas comment on dit pour un webinaire, nos web auditeurs. Je suppose que vous avez des questions. On a encore 20 petites minutes pour interroger nos scientifiques et nos spécialistes qui sont présents. Lucille, ou qui est-ce qui nous donne les questions? Alors, on a eu beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On avait plusieurs personnes qui se sont interrogées sur la possibilité de réintroduire le lynx dans les Pyrénées. Est-ce qu'à l'image d'autres espèces, une réintroduction du lynx dans le massif des Pyrénées serait possible? Et sinon, pour quelles raisons? Alors, je pense que, en tout cas, vous nous direz que c'est bien de les réintroduire s'ils ne se font pas canarder dès qu'ils arrivent. Mais pour être clair, qui est-ce qui veut répondre à ça? François, vous étiez un petit peu sur cette thématique. Les Pyrénées, mais... c'est une histoire intéressante. C'est qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont persuadés qu'il reste des lynx dans les Pyrénées. Et on n'a aucune preuve de cette présence depuis presque un siècle. Les dernières observations confirmées datent du début du XXe siècle. La première moitié du XXe siècle, en tout cas, depuis, on n'a aucune preuve de présence de lynx boréal ou pardel, d'ailleurs, dans la chaîne pyrénéenne. Et donc, ça, c'est une. Voilà, c'est, on n'a pas de preuve pour aller au-delà de dire qu'on n'en a pas vu depuis bien, bien longtemps. Mais alors, évidemment, le lynx n'est pas l'ours et l'ours n'est pas le lynx. Aujourd'hui, dans certaines régions des Pyrénées, la discussion avec un certain nombre d'acteurs politiques ou de différentes activités économiques est assez difficile pour des raisons qui d'ailleurs échappent complètement à l'ours, si je prends l'exemple de l'ours, parce que l'ours est présent et on entend des échos assez qui sont même assez, assez tristes hein. Dans un pays démocratique, on a le droit d'avoir des opinions différentes, heureusement, mais si on empêche les gens de s'exprimer, c'est autre chose. Et réintroduire le lynx aujourd'hui dans les Pyrénées, déjà que dans pas mal de régions de France, certains acteurs ne veulent pas entendre le mot réintroduction, voire introduction, alors que voilà, il y a beaucoup de faune française qui, par exemple, pour des raisons cynégétiques, est tout à fait exotique à la faune européenne, est présente et toujours présente. C'est un sujet qui, pour l'instant, est trop sensible. Et ça serait effectivement, comme Yolaine vous le dit, exposer des animaux inutilement à des coups de fusil, ce qui n'a aucun intérêt pour eux, ni pour personne d'ailleurs. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, et ça serait bien de dire aux gens, que si on veut réintroduire le lynx et d'autres animaux et d'autres prédateurs, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce que c'est absolument essentiel à tout le cercle de la biodiversité, qu'ils ont leur rôle aussi dans la pollinisation et dans la répartition des graines, etc. Et ça a été déjà prouvé souvent. Et plus les animaux disparaissent, et plus on rentre dans un drame total. Et il faut rappeler que la biodiversité, c'est ce qui nous nourrit. Je pense que les gens n'ont pas peut-être complètement conscience de ça. Est-ce que l'un de vous veut réagir et veut continuer les propos de François ou on passe à une autre question? Bon, ben on passe à une autre question.
Alors, on a une autre question qui s'adresse directement à Laurent. On nous demande comment, Laurent, faites-vous pour reconnaître les individus que vous suivez? Ah, bonne question. Est-ce qu'ils ont une tâche? Est-ce qu'ils ont une voix? Je voulais réagir, je ne sais pas si vous m'entendez, je voulais réagir juste à la, à ce qu'on disait juste à l'instant, c'est que en ce moment, on a une espèce de clivage entre ce qui est pour moi un non-sens, c'est-à-dire ruraux et urbains. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la réintroduction du lynx, notamment dans le Jura par les Suisses, ce n'est pas des urbains qui ont demandé ça, c'est des gardes forestiers, c'est des ingénieurs forestiers et c'est des garde-faune. Parce que justement, il y avait énormément de dégâts de chevreuils et de chamois à l'époque. Et du coup, il faut bien voir que ce clivage entre urbain et rural ne veut strictement rien dire et qu'il y a des gens qui vivent tous les jours dans la forêt et qui ont besoin, qui demandent à ce qu'il y ait des prédateurs dans la forêt. Moi, j'ai un ingénieur forestier juste au-dessus de chez moi qui, lorsqu'on met des boîtes pièges pour essayer de capturer les lynx, notamment lorsqu'il y a eu cette campagne de réintroduction dans le Palatinat, il râlait parce qu'il ne voulait pas qu'on capture les lynx de son secteur, parce que lui, il en avait vraiment besoin pour la régénération des forêts. Donc, il faut vraiment garder ça en tête, ne pas penser que c'est un clivage entre les gens qui sont utopistes et qui veulent juste revoir des animaux parce qu'ils trouvent ça beau. Il y a vraiment une vraie fonction écologique dans la présence des prédateurs et notamment du lynx dans le Jura. Oui, il y a une étude du Muséum d'histoire naturelle qui vient de sortir et qui montre que tous les grands prédateurs sont essentiels à la survie de la forêt. Et ils ont prouvé dans certaines forêts que quand on a tué tous les prédateurs, la forêt disparaît. Ouais. Et alors, pour revenir à l'autre question, Laurent, vous demandez comment est-ce que vous arrivez à reconnaître la femelle, par exemple, que vous connaissez bien, comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est par sa voix? Comment est-ce que vous réussissez à reconnaître les individus? Alors, d'abord, selon le secteur dans lequel je suis, je vais savoir à peu près quel individu vit dans telle ou telle vallée ou dans tel ou tel endroit de forêt. Et puis surtout, en fait, on reconnaît les lynx, et c'est comme ça d'ailleurs que les scientifiques les comptent. C'est pour ça qu'on peut avoir des chiffres relativement précis. On les compte en les photographiant. On photographie le flanc droit et le flanc gauche en même temps, de façon à avoir ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire sur le corps, sur la robe de l'animal, il y a des taches ou bien il y a des légères rayures. Parfois, c'est plus compliqué parce qu'il y a des animaux qui n'ont quasiment rien sur le corps, c'est-à-dire c'est presque uni. Là, c'est plus compliqué de les reconnaître. Mais grâce à ces taches qui sont totalement uniques par individu, eh bien, on peut savoir lequel animal c'est. Et puis, encore une fois, comme quand vous êtes tout le temps sur le même secteur, forcément, quand vous le reconnaissez presque même visuellement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de regarder les taches pour savoir qui c'est. Merci, Laurent. On peut avoir une autre question? Oui, tout à fait. Alors, une question qui nous demande, est-ce que le lynx est forestier par nature ou est-ce qu'il y a été contraint par la présence humaine? Ouh là, il faut peut-être remonter à très très loin là, dans ce cas-là. Qui est-ce qui peut nous répondre, Marine Rouilly ou François Moutou, je ne sais pas, ou Olivier, qui veut répondre? Marine, réponds. Marine. Le lynx, oui, c'est un animal qui est forestier par nature et qui a toujours été forestier. Et ça arrive qu'on le trouve en plaine, mais toujours proche des grands massifs forestiers. Du moment qu'il y a un massif forestier, que ce soit en plaine ou en montagne, on pourrait trouver du lynx. Ouais. Sans doute pour se cacher, je suppose que la raison première du lynx... C'est par rapport à ses proies qui sont des proies principalement forestières. Ouais. D'accord. Une autre question? Oui, concernant la conservation, une question qui disant « Les actions menées dans le cadre de la trame verte et bleue prennent-elles en considération la problématique du lynx ?» Oula, alors il faudrait déjà faire un bilan sur la trame verte et bleue, ce qui est déjà, à mon avis, assez mitigé. Qui est-ce qui peut répondre à cette question-là? Moi, je veux bien. Ah, oui.
C'est une des espèces principales prises en compte dans la trame verte et bleue, et notamment avec tous les enjeux de connectivité. Et notamment, je me souviens qu'il y avait une étudiante qui avait fait, je crois que c'était un master entre les Vosges, le massif des Vosges et le massif du Jura, avec tout ce qui était lié à la connectivité entre les massifs forestiers, et c'était dans le cadre de la trame verte et bleue. Donc il y a un travail qui est fait sur le lynx et il est pris en compte autant que possible. Merci. Une autre question ? Quelles analyses toxicologiques sont faites sur l'espèce et quels sont les résultats ? Alors, je ne sais pas si analyse toxicologique dans quel domaine et qu'est-ce qui veut répondre à ça, parce que quel genre d'analyse exactement? Peut-être que c'est François dans ce cas-là ou... Alors, à ma connaissance récemment, quand on trouve un lynx mort qui a été percuté par une voiture ou avec des traces de balles ou de plomb, je ne crois pas qu'il y ait d'analyse toxicologique. C'est vrai que un animal qui est affaibli par des anticoagulants peut être plus facile à peut avoir beaucoup moins de réactivité sur une route ou face à quelqu'un, et ça serait un complément intéressant, mais je ne crois pas que ça soit fait systématiquement, et je n'ai pas souvenir récemment de suspicion d'empoisonnement. C'est un autre problème qu'on n'a pas évoqué, qui n'est pas trop présent à ma connaissance dans les Vosges ou dans le Jura, mais dans les Alpes, on a quelques soucis de ce côté-là en ce moment. Alors le lynx n'étant pas présent, il n'a pas été concerné, mais on commence à revoir des poisons, y compris des molécules totalement interdites depuis des années, et là il y a des analyses toxicologiques qui sont faites. Mais côté lynx, je n'ai pas souvenir récemment d'animaux pour lesquels il y a eu une suspicion d'empoisonnement et qui ait conduit à des recherches de molécules de poisons. Mais ça a dû être fait, mais actuellement je ne crois pas que ça soit fait systématiquement sur les cadavres qu'on peut récupérer. Je voudrais juste compléter, parce qu'il me semble que lors de la journée internationale du lynx, où j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment de l'OFB, je me demande si un des lynx trouvés morts sur une route n'avait pas des traces de bromadiolone. C'est ça, la bromadiolone, qui est le poison utilisé pour les rongeurs. Voilà, et il se demandait si cette bromadiolone n'avait pas du coup diminué la capacité du lynx à être plus réactif lors de l'arrivée d'une voiture. Mais c'est une question qui se pose. C'est typique, c'est la question qui est toujours posée également pour les loutres. Et je sais qu'il y a des analyses faites sur des loutres qui avaient été trouvées écrasées et sur lesquelles, dans le foie, on avait des traces de bromadiolone qui pouvaient en partie expliquer le fait qu'elle n'ait pas échappé à la voiture. Et donc, c'est une question qu'on doit poser à chaque fois sur un cadavre de lynx, en particulier au bord d'une route, mais il y a aussi un coût derrière et il faut juste trouver les budgets pour les prises en charge. Moi, si je peux compléter juste rapidement, il y a l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, le laboratoire Chrono-Environnement, qui s'était positionné au niveau du PNA Lynx, justement, du Plan National d'Action Lynx, pour pouvoir justement commencer à mener des études en écotoxicologie. Et donc, on espère qu'ils auront une réponse positive de la part des services de l'État, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'études vraiment à proprement parler faites sur ces questions-là, et ce serait intéressant de le faire, surtout qu'à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, il y a vraiment des experts dans ce domaine, donc ce serait bien. Ces animaux auraient été empoisonnés quoi, par des pesticides, des choses comme ça qui sont dans la nature, ou ça aurait été volontaire et dans ce cas-là non, de la part c'est accidentel, c'est en oui, mangeant des rongeurs eux-mêmes empoisonnés. D'accord. Donc, c'est la chaîne du poison qui remonte jusqu'au prédateur apex. D'accord. Parce que pour revenir sur les ennemis du lynx, tout à l'heure, vous parliez un petit peu des éleveurs. En fait, est-ce que les éleveurs ont compris, est-ce que c'est compliqué pour eux comme pour le loup, et est-ce que là aussi, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès d'eux, ou est-ce que les éleveurs n'ont pas a priori réellement d'idées négatives contre le lynx? Quelle est leur position? On sait pour le loup ou l'ours, mais pour le lynx, comment ça se passe avec eux? C'est très compliqué ou... Moi, je peux bien répondre là. moi, je m'entends bien avec les éleveurs. Donc. Les éleveurs, ils étaient présents au plan national de conservation du lynx qu'on avait mené avec la SFEPM et le VVF. Ils ont participé à tous les groupes de travail. Ça s'est très bien passé. Ils sont présents au niveau du plan national d'action mené par l'État. À la journée internationale du lynx, on a eu deux animations qui étaient menées par des éleveurs et bergers.
Donc, il y a beaucoup d'éleveurs et de bergers qui sont soit neutres par rapport au lynx ou qui peuvent très bien vivre avec le lynx et qui n'ont pas de haine envers lui. Après, il y a peut-être quelques éleveurs avec qui ça se passe mal, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste vraiment marginal et je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ces problèmes-là ou créer plus de problèmes que ce qu'il y a réellement. En tout cas, c'est pas du tout la même chose qu'avec le loup, par exemple. Bon, ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. C'est surtout le braconnage, quoi, donc son ennemi au niveau humain. J'aimerais compléter un tout petit peu la réponse de Marine, parce que là, dans le cas du PNA Lynx, on a quand même vu les syndicats officiels d'éleveurs, notamment la FNSEA, être fortement opposés à tout projet de réintroduction, de renforcement de population, alors qu'effectivement, on a rappelé que le lynx est très peu actif et prédateur sur les troupeaux d'ovins. Mais il y a des positions un petit peu dogmatiques, systématiques, à l'encontre des prédateurs, hein, que ce soit le lynx, le loup ou l'ours. Et donc ça, c'est un peu dommage, parce que je pense que, comme l'a dit Marine, ça ne reflète pas forcément la position des éleveurs sur le terrain. Et nous, chez Ferrus, on a été contactés par un éleveur qui avait eu des cas d'attaque de lynx sur un de ses troupeaux de brebis et qui disait « moi, j'en veux pas du tout au lynx, mais j'aimerais qu'on me donne les moyens juste de me protéger, qu'on me fournisse un patou, un chien ou qu'on m'explique comment faire pour éviter d'avoir d'autres attaques. » Ouais. Mais ça, de toute façon, c'est le problème de la FNSEA. Hein. La FNSEA, elle est opposée à tout ce qui est évolution, tout ce qui est environnement, tout ce qui est naturel. Et voilà, donc systématiquement, c'est vraiment devenu un dogme. Mais bon. Donc, sur la FNSEA, on pourrait continuer pendant des heures. Donc, on va passer sur un sujet plus léger. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez que ce soit dans les dernières questions? Oui, on ça en sera a... dans les dernières parce okay. qu'il nous reste... Alors, on a énormément de questions on a énormément de questions qui concernent comment contribuer. En fait, beaucoup de spectateurs nous demandent comment aider et contribuer à la réduction des actes illégaux en tant qu'association, mais aussi en tant que particulier. Comment est-ce qu'on peut aider et collaborer à la protection du lynx? Quelles ressources pour apprendre à les observer sans les déranger? Et quelle démarche à suivre pour communiquer, éduquer les gens sur l'espèce lynx? Voilà. Extra, je voulais conclure avec cette question-là. Donc déjà, je pense adhérer à toutes les associations ici présentes, SNPN, pour aider tous ceux, Ferrus, etc., pour aider tous ceux qui luttent pour protéger le lynx. Mais je vous laisse répondre. Qui est-ce qui peut répondre à cette question très positive? On veut vous aider. Je me permets de prendre la parole, mais oui. je confirme l'idée d'adhérer aux associations les plus proches de chez vous, celles qui vous paraissent le plus correspondre à votre façon de percevoir les choses. Mais il faut aller peut-être aussi un tout petit peu au-delà. Vous savez que régulièrement, le gouvernement met en ligne des projets d'arrêtés préfectoraux ou nationaux sur des espèces protégées ou sur des espèces chassables. Il faut répondre. Et ce printemps, il y a eu plusieurs signaux intéressants, pas du tout sur le lynx, mais sur le blaireau. Le blaireau est une espèce gibier qui n'est pas du tout classée nuisible, avec des guillemets, mais qu'on peut déterrer pratiquement tout le printemps, à l'époque où les femelles sont avec des jeunes. En plus, ce n'est pas très beau à voir. Et en plus, il n'y a pas de motivation particulière. C'est horrible. Il n'y a pas d'enjeu économique vraiment essentiel. C'est vraiment autre chose. Et cette année, pour la première fois, plusieurs préfets n'ont pas suivi les chasseurs ni les déterreurs, mais ont tenu compte du fait que 95% des avis dans les départements où les projets étaient en ligne étaient contre. Et c'est la première fois que l'on voit des préfets qui écoutent le public. Et donc, si les gens qui le pensent sincèrement, il y a des arguments qu'on peut échanger assez simplement, peuvent répondre à ce moment-là et prennent le temps de prendre leur ordinateur, d'aller chercher sur la préfecture les arrêtés en consultation publique, et donner leur point de vue avec des arguments assez simples, assez sensés, peut-être qu'on peut faire comprendre que la majorité des gens n'est pas forcément dans certains sens excessifs qui ne correspondent pas ni à l'arrêté biologique, ni à l'arrêté sociétal. Et ça peut être peut-être le début de quelque chose de positif pour notre environnement et une façon de coexister les uns par rapport aux autres, plus sereine et mieux partagée. Et pour continuer ce que vous dites, François, je pense aussi qu'il y a plein de pétitions, sans parler de ces... Il y a aussi énormément de pétitions qui circulent
Et l'air de rien, les pétitions ont un certain pouvoir. Hein. Il y a eu quand même des projets qui se sont arrêtés grâce à des pétitions. Donc, il faut aussi signer toutes les pétitions pour protéger les animaux. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de François ? Je compléterai juste sur l'aspect communication et sur l'espèce. Chez Ferrus, on lance un programme qui s'appelle Parole de Lynx, hein, qui sera lancé pour la première fois cette année de façon opérationnelle, qui va consister effectivement à distribuer plusieurs dizaines de milliers de flyers auprès des habitants, auprès des touristes, dans les zones de présence du lynx pour mieux faire connaître l'espèce et sensibiliser la population à l'intérêt de sa présence et aux dangers qui pèsent sur elle. Voilà, je pense qu'il y a tout un travail de communication, de sensibilisation sur l'espèce qui est à faire, parce que moi qui tiens régulièrement des stands Ferrus à travers la France, combien de fois on m'a dit « Ah, mais je ne savais même pas qu'il y avait des lynx en France ». Donc, l'espèce a besoin aussi d'être médiatisée et d'être mieux connue, je pense. Oui, ça très clairement. Ça c'est très très clair. Oui. Et moi je voulais juste dire, évidemment, on vous il faut attend. Acheter le numéro spécial. Oui. Hein. Évidemment, oui. Il faut acheter le numéro spécial. Évidemment. Évidemment. Oui. Très bien. Merci François pour la. Mais on voulait aussi vous dire, l'année prochaine, il y a la Journée internationale du lynx qui aura lieu le 11 juin. Et la SFEPM organise donc les différents événements et crée le programme. Mais il y a plein d'associations qui participent, et pas que des associations d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à un de ces événements et à en parler autour de vous et à soutenir des associations. C'est comme ça qu'on arrive à avancer et c'est en passant le mot, en fait. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on est arrivé à notre heure à 15h30. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une question absolument essentielle, est-ce qu'on peut conclure notre webinaire ? Je n'ai pas de réponse, donc j'en déduis qu'on peut conclure. Donc, en tout cas, n'oubliez pas surtout d'adhérer à la SFEPM, à Ferrus, à la SNPN, d'aider les associations qui non seulement luttent, mais qui sont un vrai pouvoir, un vrai contre-pouvoir justement face au lobby et face à la méconnaissance. Donc, je pense que c'est très, très important. Je remercie énormément la SNPN d'avoir organisé ce webinaire. J'espère qu'il aura pu... un peu aider certains d'entre vous à mieux connaître le lynx, qui est vraiment un animal incroyable. Mille merci à Laurent, François, Olivier, Marine, pour toutes ces images, pour toutes ces vidéos et tous ces propos passionnants. Et puis, merci à vous tous de vous intéresser aux animaux. Et puis, à bientôt et bonne journée.